Salut à tous, c'est bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui, Mono White Deck Tech Express. Regardez, bam, flash. C'est parti. On part en game. Et non, je... oh, deux oh, oh. bon minutes. Tranquille. Pouny, comme on disait. Et pouce bleu. Pouce bleu. Mettez un pouce bleu si vous disiez pouny dans la cour et mettez-le aussi si vous ne connaissez pas le mot pouny. Les gens, toujours pouni, hein. les euh, gens euh, disent toujours pouny. Les gens disent pouny. Ah, Dodo dit toujours pouny. Oui, mais euh, est-ce que <laughs> les gens? Non, les présentent... mais non, non, une euh, personne euh, représente les gens. J'en connais, tu vois. Je connais j'en fréquente j'ai des amis qui disponent j'ai des amis qui disponis, voilà. voilà. je comprends ça existe encore le pouce bleu anti disant ça fait plaisir merci au sponsor Playing by Magic Bazaar code ValetPL 2022 sur le merci boutique beaucoup. toujours 50% de points de fidélité et ça nous soutient toujours donc toujours merci à vous et toujours merci à Playing, évidemment et qu'est-ce qu'il y a ce week-end les Worlds les Worlds World. ça approche ça approche les 2 on sera en live à partir de vendredi 17h30 en compagnie de Raphaël Lévy pour la première journée on aura du draft et du standard ça va être exceptionnel j'ai déjà vu quelques decklists passés, Mon dieu, que ça va être fou. Mama. Le samedi, on sera en compagnie d'un deuxième Hall of Famer, Gabriel Nassif à loat Juste des invités d'exception. Premier Worldcast. D'exception. World Les 32 meilleurs joueurs de la planète qui s'affrontent pour le gain ultime, mmh. devenir champion du monde, évidemment. Le samedi, ça sera du coup en Explorer. Et le top 8, le dimanche, en Standard. Quel grand plaisir. Venez nous voir nombreux. On a euh, la chance. Le top 4, bien sûr. On a la chance de co-caster ça en français pour vous sur notre chaîne. Lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, il n'y a même pas besoin de créer un compte euh, sur Twitch et vous allez pouvoir passer bah, environ 30 heures de plaisir, de oh, 17h à 2h du mat' tous les soirs. Masterclass. Class de fou. Être... Excellent. Ce deck, Mono White, on l'a souvent affronté en vidéo dernièrement. Ouais. Euh, et ça marche bien, notamment les gens euh, l'aiment beaucoup ça, en BO1. Ça profite du ban de Mituk massacre. Ça, on peut euh, jouer un peu plus de créatures, notamment des 2-1 on pouvait plus trop euh, pas trop jouer avant alors la 2-1 si vous, vous demandez euh, c'est un pilote mais on s'en fout c'est une 2 un pour être n'importe quoi c'est une 2-1 pour 1 et ça c'est bon euh, adepte optimiste aussi en autre tour 1 qui gère très bien les euh, enchantements ou artefacts notamment, les fables, notamment. Euh, les fables qui sont dans plein de decks les ou ceux qui jouent pas de Fables, ils jouent bah, brise ou bien euh, le deck euh, enchantement euh, banque qu'on a présenté ouais, ouais, bien sûr. donc ils ont eu chier d'enchantement à casser c'est très très bon c'est une excellente carte adepte optimiste moi j'ai peur de ce deck là je pense qu'il est plus joué en BO1 parce que comme c'est un deck agressif il est pas très très oui. bien contre la méta très mid range euh, mm. euh, que, 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 euh, qui existe en standard c'est ce qu'on disait le ban de Me attaque de Massacre ne vont pas forcément réintroduire les archétypes agro parce que les archétypes agro sont quand même assez faibles contre sholdred et tous les decks mid range mm. mais voilà on a quelques armes pour essayer quand même de, euh, de les embêter. C'est en euh, partie. Petit tips, si vous jouez à Magic, quand vous hésitez entre BO1 et BO3, ou alors vous jouez qu'un des deux formats, midrange en général sont des decks de BO3, puisque ce sont des decks de 2-1 euh, qui s'adaptent en qui fait euh, à... au match-up en face, et gagner les deux games post-side normalement, mmh. ou alors euh, rééquilibrer en fonction du play-draw, etc. Du coup, si jamais vous voulez jouer midrange en BO1, c'est parfois un peu plus compliqué. Voilà. Petit tips, euh, si jamais vous vous demandez euh, pourquoi ou quoi, c'est peut-être pour ça. En BO1, on préfère des decks plus polarisés qui euh... se prendre du côté sur... Euh... On sur y leur va. Idée, quoi. Et, euh, et ça bourre. Euh, ensuite, dans les drops d'eau, on a l'adversaire intrépide. Euh, fait un moment que je n'avais pas vu, lui, ça fait plaisir. Euh, qui buff tout le board. Détruire le mal, c'est dans tous les decks qui peuvent jouer du blanc. Ça attrape tout, c'est très très bien. Sentinelle d'or solaire. Euh, bonne bête d'agression aussi. Qui fait un peu de hate de cimetière. Donc c'est toujours bien pour attraper des trucs par-ci par-là. Notamment les, euh, les 3-2 qui se rejouent. Les underdogs, non Ouais, par exemple, c'est ça. Oui, oui, les, underdogs. les underdogs, exactement. Talia, alors ça, pour les decks enchantements, ça les détruit. Ouais. Euh, littéralement. Et ça fait chier aussi certains autres decks midrange, notamment les decks espères. J'ai vu qu'ils jouaient un peu plus de non créatures maintenant. Ce qui est super Donc bien, euh, c'est sur les sorties très réactives des decks midrange. Quand ouais. tu fais une sortie Talia avec ton oppo, il a gardé une sortie après ça, il, notamment une main très ouais. réactive parce que tu joues plein de créatures et que lui ouais. il va pouvoir répondre à ça. Thalia c'est game breaker. Il n'a pas son cut down du coup qui devient ouais. un anti-bet euh, réglo pour Talia. Euh, il est dans la mouise quoi, ça va lui coûter cher. C'est ça, la nouvelle comme, petite euh, vigile. La nouvelle vigile, ouais, qui ça marche, marche bien. très très bien. Et Talia ouais, ça marche encore mieux avec les, les versions qui jouent plus de, coups de sort de réaction ouais, ou, de, ouais. ou de rituels un peu cher, qui ne sont pas des créatures. Ouais. Les drop 3, euh, donc comme depuis euh, 600 ans maintenant dans Monoblanc, les drops 3 sont les, les rois du deck. On a Adeline, cata-respondissante, qu qui fait la game toute seule parfois, garant de la paix consacrée, qui va protéger le board, disrupter l'adversaire, les deux, ça dépend. Enfin, protéger le board en se prenant pas évidemment. Euh, Qatar brutal qui va apporter de la gestion potentiellement plusieurs fois. Et les drop 4, on a deux impératrices vagabondes et deux parangons de Serra. Ça permet de, de grinder un petit peu ce parangonsera de Serra. On, on voit que avec le drop 3 et les parangons, on a une optique presque midrange qui peuvent se mettre en place ouais, on est, suivant la sortie. On est capable en late game justement de repeupler le board même hum. après avoir pris beaucoup d'interactions ou des anti bêtes de masse. Le parangons de Serra, ça devient vite. Très compliqué à gérer si ton adversaire a plus de ressources. Quoi. Et interaction très sweet, si vous arrivez à mettre cette combo en place, ça peut être très fort. Avec l'esplanade des héros, vous protégez du coup votre parent de Serra ou autre chose et vous pouvez le rejouer euh, du cimetière. Ouais, ah, attention que ça peux marche. Pas, euh, ton premier de Serra n'est pas légendaire. Euh, ah non, tu peux Mais pas tu peux lui le protéger, peux une protéger Adeline ou Thalia par exemple, ou, ou Talia, par exemple Talia. Et, et la, et la, la protéger rejouer, tous ouais. les tours et rejouer l'esplanade des héros. Euh, dans le side, on a euh, les Détroits le Mal une Sentinelle d'Or. Euh, les Sentinelles oh, ouais, d'Or, Sentinelle Sentinelle En plus, pour compléter les carrés, spécialiste en extraction qui euh, fait de la value, notamment qui permet de rejouer les Talia qui ont été gérées. Euh, et on n'a pas besoin d'attaquer avec Talia, donc ça tombe très bien. Les Impératrices supplémentaires, deux Malédictions de Silence, euh, quatre Annonces du Mariage et un troisième par Serra. Bingo, quoi. Franchement, euh, alors, je sais que le méta est pas favorable au deck aggro et donc du coup, ça sera jamais tier 1. Mais c'est un deck qui, si tu ne le contextualises pas dans le format, se tient vraiment bien. On ouais. a un bon plan de side, on peut pas mal dodger er les interactions, avoir un plan annonce du mariage contre ceux qui, justement, joueraient plein d'interactions, d'italia, un plan grind avec parangon de Serra, un plan un peu presque tempo contre les jeux contrôle avec Imperatrice ou Vagabonde. Enfin, c'est un bon deck, c'est juste un ouais. bon deck. Le format lui est pas favorable, mais c'est juste très puissant. quoi. C'est clair. Là, je me décale un petit peu, je vois que tu es mâché par le, le bord de l'écran. Je, je suis euh, double face. Tu es mâchonné euh... C'était Tac. Tac. Le, le bout de l'écran qui me mâchonne Oh t'as un bruit de Pac-Man Mais c'était du Pac-Man bien sûr D'ailleurs si vous voulez refaire le bruit de Pac-Man Vous pouvez vous gratter l'oreille euh, au rythme de Pac-Man Et ça marche très bien Ça fait le coubri, 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 coubri. Ouais, ouais ça marche Vous l'avez fait chez vous et vous vous êtes dit putain c'est vrai ça marche Si ouais, ça, ça, et ça, ça fait un un pas peu. le bon bruit Soit vous avez pas assez joué à Pac-Man soit vous avez une oreille bizarre ouais, ouais. Ça, ça fonctionne bien Ou vous avez une oreille plate ah ben Moi c'est plat ça ne résonne pas ça ne marche pas je me suis fait arracher l'oreille, j'ai juste un trou, ça marche pas. Bah du coup, je... qu'est-ce que je frotte Je joue au premier. premier Ah, euh, excellent. Euh, ok. c'est pas ouf, mais que ça, ça marche. Ça marche, on aimerait un tour 2 parce qu'on en a, a quand a même a beaucoup. c'est une interaction. Oui, donc euh, c'est trois landes, trois bêtes, une interaction. Et le fait qu'on commence réduit nos chances de piocher un tour 2. C'est pas très grave après, mais... Oh, j'aurais dû lander ça leur impressionné. Comme ça, il est là, en mode oh, « putain, il a tout en main ». Il en a une deuxième. Ça, tu mets des coups de pression. Hein. Alors, tu, tu perds de la ressource, mais oui. l'impact mental euh, est à ne pas négliger. Ah, c'est une forme de tour 2. C'est un hein. une forme de tour 2, effectivement. On aime bien voir ça, là. Ça pique, ça. Oh, joué, je, toi, hein. je vais te poser une question. Vas-y. Quand, oh. quand, bre... oh, quand une brebis. Oh, c'est tes murs, j'adore. Tes murs qui piquent. Quand une brebis met bas. Ouais. Comment tu sais si le petit est un mâle ou une femelle Ben, je sais pas ben, genre euh, j'aurais dit en, en regardant le... les parties mais euh, ben, comme m'a dit l'éleveuse il a des couilles <laughs> <laughs> j'ai senti très bête <laughs> en fait comme tu me poses la question je me dis qu'il y a un tricks, tu vois qu'on doit pas voir je vais expliciter ce qu'on je vais contextualiser ce moment de, de solitude que j'ai vécu j'ai visité un élevage c'était très stylé il y avait parce que tu étais en vacances. Euh, ouais justement. ouais, j'étais en vacances à la campagne et très intrigué par la logistique de tout ça. Mmh. Euh, tu vois, c'est un élevage donc du coup de brebis avec ouais. donc du coup des petits agneaux. Euh, certains bah, vont être mangés, c'est la loi entre guillemets de, de l'élevage. D'autres vont être le gardés pour euh, ouais. d'autres vont être gardés pour mettre bas plus tard et compagnie, mmh. notamment si c'est des femelles. Et du coup, je me disais, euh, en fait, t'en avais qui avaient des des petits trous comme ça, mmh. comme pour euh, certaines, comme si des petites cornes allaient passer. Tu ouais. vois, aller. Elle est, poussée. elle est poussée. tu vois. Et donc, je demande un peu naïvement, euh, parce que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe. Euh, ah, euh, comment vous reconnaissez euh, les mâles des femelles Est-ce que les mâles, non. ils ont des petites cornes et tout Et elle m'a juste montré l'agneau qu'elle avait dans la main et elle m'a dit non, il a des couilles, quoi. <laughs> en fait, tout se passe au niveau des couilles. <laughs> ah Et j'étais en mode. Ah oui, c'est vrai. Comme quoi. Bien vu. Bien vu, très bien vu. Bien vu, bien vu. Et ouais, c'était un grand moment. J'ai dit anti-bête. Parce que si je joue ça, on s'en fout. Et si je joue ça, bon bah on prend. Oui, tu as eu raison. raison. J'ai dit anti-bête. J'ai dit anti-bête. Quoi, c'était très intéressant la, la logistique un peu. C'est vraiment. Euh, Mais j'adore un hein. Sims dans la vraie ouais. vie. Hein. On aurait dit une blague. Euh, une c'est une blague, blague. <laughs> une blague En fait, c'est une anecdote blague. Une, <laughs> blague, une blague anecdote. <laughs> Mais je me suis senti con sur le moment. Vraiment. Bah, en fait, le fait que tu le poses toi, oui. Mais et quand et on te le pose, tu te sens trixé. Bah oui, oui, oui. Allez, Qatar, moi ça. Quand je veux Qatar. C'est vraiment le touriste à la campagne, quoi, alors que... Oui, c'est logique, tu vois. Mais moi, je me disais, oh, est-ce qu'ils ont des petits Comment les mal, le tu vois fromage <laughs> <C> si <'est> délicieux <laughs> Bah, c'est nous. <laughs> elles ne le font pas, le fromage, elles-mêmes. <laughs> oh, le... le... Bah, ben, non. Le putain de... Ouais, le citadin, quoi. Hmm, J'ai pas joué ça au cas où il avait un truc pour détruire ouais, ouais. ou quoi, mais... Euh... Mais il a rien quoi. Pour Pour le, bourre, le, bourre, euh, là. Euh, -le ouais. il récupère ça ou pas Non mais tu bourres pas avec Qatar, je pense. Ouais, je bourre tranquille. Ouais, tranquille. Ouais, C'est bloqué. Hein. Ouais. Ah oui alors, je ne t'ai pas prévenu, mmh. euh, mais mmh. il on a quelqu'un qui, qui perce. Il se trouve que l'appartement était inhabité jusque-là à côté de chez moi. Oh je le je, je oui, ah, oui sûr. bien sûr il vient d'être par le mec qui faisait les travaux pendant 6 mois Mais non. Si. Pour refaire des travaux et ouais. Non, c'est pas possible. Je te jure. On dirait une blague, c'est ah, vrai. vrai. On dirait une blague, ouais. Et euh... Comme C'est une blague <laughs> Non, non, c'est une vraie histoire. Et euh, j'avais vraiment envie de passer de vie à trépas. <laughs> ah, ouais, Alors, je me suis rendu compte de ça. <laughs> je comprends. Parce qu'en plus, je l'ai entendu discuter avec euh, le propriétaire et qui disait, genre, euh, nan, nah, mais j'achète pas pour le travail à faire quand <laughs> Ouais, il y a une voix <boîte> comme ça. <laughs> ouais. Et, euh, et, après, et en oh, finale, aussi. je vais acheter, j bien les travaux. En fait, les travaux. Les travaux. Et il avait deux perceuses comme ça. Boum, boum, boum. Il mettait des coups au hasard dans les murs et il était fou. C'était quel enfer. Bon, lui, oh, on, voilà. va, on va lui faire une Talia ouais. là. Détruire le mal, je crois que ça ne touche que ses fables. Est-ce que ça vaut le coup il, a, il va bien nous jouer un pâté ou quoi Attends, s'il joue tes murs avec des fables, bah, lui, il joue contrôle Il joue de de l'industrie, lui. Il nous a montré un peu que des spells et ça, on ne peut pas détruire le mal dessus, tu vois. Je pense qu'il joue des titans. Ouais, je préfère remettre les cathars dans ce cas. Ouais, dans la tempo, je trouve que c'est meilleur. On oh, bien comme ça. Hein. Tu payes comme ça là Bug comme ça là. Be comme ça. Annonce, ça peut être chiant pour lui aussi. Hein. Ouais, mais bon, trop, trop trop. quoi. Trop, trop, trop. Là, je, je veux quand même garder quelques Qatar au cas où il est dégueulasse. Garant de la paix avant tout. Ah, vas-y, go. Là, je t'ai laissé juste s'aider. Hop, je reprends un soir. Ah, non, je. On a fait un travail d'équipe. Donc, ouais, euh, le mec. Euh, Perse et ne se ressemble pas. Horrible. 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 Putain, j'ai dit horrible. Mm. C'est euh, horrible dans le Seigneur des Anneaux. Ouais. Horrible. Que j'ai fini d'ailleurs. Ah, tu pas fait le dernier épisode non, mais On a tellement de choses à se dire sur ce dernier épisode, Val. C'est terrible que tu ne l'aies pas vu. J'en Je voudrais presque, tu vois. Je n'ai pas... pas grand chose à dire sur cette série, moi, au global. Je l'aime bien. Je ouais. trouve que les gens sur Internet sont difficiles avec elle. Mais c'est pas grandiose, quoi. J'ai rien vu de grandiose. Épisode 6, un peu. J'ai eu un ah, peu ce, 6. Eu ce souffle bien. épique de Le Seigneur des Anneaux, ouais. des grandes batailles. Il faut attendre la levée de l'aube parce que la cavalerie arrive, tu vois. Ça, c'est le Seigneur des Anneaux. Tu vois. Ah, tu vois, là, tu te dis, ouais, il y a quelque chose quoi. Voilà, c'est ça, ok, Seigneur... le Seigneur 6, pardon. Épisode 6, c'était du Seigneur des Anneaux, j'ai bien aimé. Okay, ouais. mais alors, le soufflet de l'épisode 7, quoi, j'avais envie de me suicider devant. Quoi. <laughs> wow. Ok, bah écoute, sans spoil, on en parlera du coup Or, wow. un truc pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais... visser au sol, quoi. On était à l'écran. J'ai que tu voit le... le 8, quoi. Dans le noyau de la terre, te rends-tu compte Putain, mais ah, il y a 8, des merdes. De mais je suis très étonné de voir ça. Ça, non, ça oui. Mmh. Et on pioche pas notre lande, nous. Super, et que des drop pro en main. Et que des drop pro. Exceptionnel. Tu vois je t'ai dit il fallait plus de drop pro. I'm so disappointed. Alors sans me spoiler, t'as aimé ou t'as pas aimé du coup euh, cet épisode 8 là dont tu veux qu'on parle Je ne sais pas. Ah tu sais pas si tu l'as aimé je, je l'ai aimé. Ok. Et il y a des choses, notamment par rapport à des trucs que tu m'as dit, okay. que j'ai pas trop aimé. Ah, j'ai pas trop je, compris. Je quoi. me suis déjà spoilé euh, certaines révélations sur un certain personnage. Ah, du coup, bah, c'est de ça qu'on ah pourra bah, parler. Mais on parlera après. On va C'est une adaptation, on va le prendre comme tel. Je sais pas ce qui me dérange le plus. Ok. C'est pas clair. Enfin, ça, ça ne devrait pas être comme ça. Mmh. Mais pour les biens du scénario, je trouve ça cool. Alors, je pense qu'on parle pas du même, mais euh, on verra. Bah, on parle de l'étranger, quoi. Le mec venu du ciel quoi. Tout le monde se demande qui il ah est ce type. Je parle pas de lui moi. Ah tu parles pas de lui, d'accord, ok. Donc, ça euh... mais ça aussi ça en fait partie. Mais mais je veux dire de lui, lui à la base n'est pas censé être celui qu'il est, mais c'est pas grave, on est ok. Non c'est pas grave, ça je suis d'accord. On est ok. On, re on revient. On est, on parlait d'énigmes là. C'est vrai qu'il regarde pas sérieux se dire bon, je peux passer un peu là. Comme tout le monde regarde pas Comme tout le monde regarde sur Dragon, sauf moi. C'est exceptionnel gros. C'est ouais, euh... celle-là. Complètement fou. Tu sais le nombre de gens qui sont rués euh, pour acheter la suite en livre Ben bah, comme euh, Game of Thrones à l'époque. Hein. Ouais. Euh, ouais. Non mais là c'est vraiment. Euh... Pour le coup ça, euh... je suis assez. Euh... Ouais, assez conquis. Bah c'est parti. On va juste piocher des landes. en qu'est-ce qu'on ça. Il rien. Juste on pioche des landes. Oui. Et on joue. Oui. Et on est sur le play. Et on est sur le play ouais. Et ça... avec trois landes. Je la kipe instant. Je regarde pas ce qu'il y a au les Quel drop 3, je m'en fous. Let's go. Parfait. Et par contre Talia non. Ah jamais Talia. Ouais, ouais, il ça. joue plein de, de spells non créa. Euh. Et il en jouait en tout cas fut un temps. Par contre championne mécanicienne elle est là. Bien dans la main quoi. Ah et bien là, là. Voilà mec ça va. Les hein. points. On a sorti est pas mal hein. C'est ça. 5 points avec euh, l'enrouleuse là. Et ah pas. non. Mais oui tu peux pas tu peux pas enrôler des créatures. Ouais, C'est même 4. Ah C'est dommage. C'est chiant que tu puisses pas enrôler des créatures qui arrivent. Bah, ça serait un peu fort quoi. Bah, si ouais. Fait. Mais j'aime bien, moi, les cartes fortes. J'en hein. Aucun... Aucun problème avec ça, moi. Bah, en vrai, pourquoi tu, tu en rôles pour lui... pour faire regard, c'est tout Ouais. Peut-être regarde d'abord sa main. Comme ça, tu vois si tu mets tous tes œufs dans le même panier. Allons-y. Allons-y. Mec dis ce pire. Maintenant. Il nous a pas trop montré de contre, à par un Negate, je crois. Il a dû certainement que enlevé, je pense. Pas très, ouais. très bien. Non. Oh, ça réfléchit. Mon dieu, mon dieu, que ça réfléchit. Oh, le, le bain spell. Bam Bam Tu crois qu'il a un play with fire, lui Il a une fissuration. Probable. Bien vu. Bien vu, l'artiste. Euh. Fissuration enlever... Non, fable. celui il va jouer sa fable le tour d'après. Là, il fissurer un truc, on s'en fout, non Bah, il peut fissurer le garant, du coup. Fin de tour Bah, ouais, ah, oui. fin de tour maintenant ah oui donc faut que tu dis sur pardon ouais Ah ouais, c'est chiant en fait ça Mais du coup là il peut pas gérer donc je peux enrouler Là tu peux enrouler. Là. Ok Bon on a gagné un petit, un petit scry 2 quoi Oh ouais, ça mange pas de pain Non non le, le pain sera pas mangé effectivement Ah c'est Arthos Et alors Mais il fou, peut le casser hein. Ouais ça va quand même prendre, prendre, prendre les plus de dégâts bah ouais. Mais. Euh, J'avais pas capté. Ah, c'est non. C'est non et c'est non. Il pas tapon. C'est assez médiocre euh, de l'avoir fait une fois qu'on a déjà enrôlé. Hop là Puisque. Euh, je pense qu'il savait pas que ça ah marchait ouais, comme ça. Okay. Et moi, je me suis fait euh, tricks en, en draft comme ça. Okay, j'ai okay. fait anti bête sur la bête qu'il a Il a gagné okay. la force. J'ai fait bah. Vach, ouais. Bah, loupé. Hein. Poubellus. En même temps, les effets classiques, c'est genre tu cibles un truc. Ouais. Euh, S'il si est tué en réponse, le truc fizzle. Alors que là, euh, non. C'est quand même trop tard, c'est enrôlé en fait. La vigile, elle est indestructible quand tu défausses une carte de la sur main. une carte, ouais. Ouais, donc on va garder notre plaine pour euh, son burn down dios. Pourquoi il a pas landé Attends. Putain, si, si, il a landé, mais il a pas joué. Euh... Ah oui, pourquoi a il a pas joué ta fable. fable. Oh putain, je vais bien dire incendier la maison. Sur ça. Est-ce que j'enroule Non, parce que là, il peut fissurer. Là, non, c'est 4. Ah oui, ok. Ah, ah bah, j'enroule. Vas oui, vas-y, vas-y, bien sûr. Salut, c'est Jean Roule celui c'est Jean-Roule. Ok. Oh j'entraîne. Oh mais entraîne-le. Un entraînement vivace. Ah du coup l'enrôlement arrive après l'entraînement donc c'est un peu normal. Tu vas garder. Et là normalement avec Garant on a échec et match je crois. Ouais. Je crois que Garant c'est échec et mat. Parce que ouais, là en fait, landais, il... si jamais il y a un mec pire qui traîne. Bon. Ouais, ce qu'il voulait faire c'était fin de tour, je pose un land de plus, into Vras. Uh, into ouais. Et, uh, et là du coup on va le contraindre sur ce play là en fait. Oui. Mais s'il en a deux euh, ben, bon, ça marche bon, quand même. Ça marche quand même. Eh, je... hey, ça pas les Ça marche quand même. Donc c'est incendié. Feu de victoire, ouais. Ok. La maison, incendié tout en bas. À la maison. Incendie à la maison ah non, la maison, oh, putain. C'est une série ça, c'est la vodka. Celle du matin, tu sais. Ouais. Là, la bonbonne, Dans la gourde. Allez, va-t'en là, euh, T0340T, là, il a un nom de Terminator, le mec. Il faut y aller, monsieur. Non, il faut escorter à la sortie, là, faut... Barrez-vous. Il y a un dragon moche en plus, en pète. Fait. Oh, ça va, hein pire que d'autres Tu parles duquel J'ai dit pas pire que d'autres. Corvold sur son tador quand il était enfant. C'est pas Corvold. c'est un mix entre corvol et Kinkaroul, on a déjà parlé. Les deux ont peut-être eu une union euh, cachée. Peut-être après c'est des fratries, tu sais. Sans union, c'est peut-être juste bon bah c'est le petit dernier, est le petit il dernier. est moins bien fini quoi. C'est vrai qu'il a l'air un peu. moins Il a l'air un peu Gugus, mais euh, il est vraiment moins bien Mais c'est cool aussi, tu vois. Oui. Ah. Oui. Oui. Ah oui, c'est vrai, on a gagné. Allons-y. J'attaque avec mes créatures. Un mana Qu'est-ce qui est plus cher Un mana. Et il oh, est très bon. bon. T'as fermement. Eh ben, impératrice, GG. Oui. Je suis un 2-2. De mais il a pas compris. Ah ouais, tu ma bête Ben j'en ai une deuxième. Ah, ah et celle-là au tour prochain mon pote, elle va attaquer. Vous avez vraiment le pire deck pour nous affronter quoi. Ouais. Et, et encore on a pas fait une les Talia. Talia. Ouais, c'est clair. Alors imagine. Imagine seulement avec une Talia. Là, tu vois, c'est le truc qu'on aurait rétorqué s'il si commençait à dire "Ouais, mais je sais pas, mon deck d'habitude il marche et tout" et tu lui dis "Ouais, bah, j'ai quatre Talia." Donc. Ouais, OK. Tu lui montres. Tiens, j'ai quatre Talia là comme ça, quatre. Ah là, tu les vois Dans la gueule. Bam la taille sur le front, là tu ne le faites pas. Non, mais bon, à être mécréant. Pensez le fort. Hein. Parce que quand tu penses être mécréant, mais que tu le fais pas, mais tu le contiens. Tu te dis, tu, tu, tu palis à toute éventualité. Tu es un homme si l'homme en face de moi mécré alors que j'ai pensé à la, la mécritude, mais tu as juste accepté le contrat social. Oui. De, de, de la C'est beau, hein, tout le monde ne le fait pas, donc euh, ceux qui le font, euh, respect à vous, quoi. Mais on, on est élevé et tout avec ça, genre c'est normal, mais quand on te le dit à un moment donné, tu dis, putain, c'est vrai que ça tient à pas grand-chose, quoi. Ça tient à pas grand-chose et il y a tout beaucoup monde, de gens qui font pas l'effort. La plupart du temps, on respecte, mais quand il y en a pas, euh, c'est prison, quoi. C'est brisé. Ou euh, sans aller en prison, c'est un gros connard. <laughs> c'est un gros connard, bien sûr. Et nous, on respecte. Toujours respecté. Par contre, il y a un petit pas droit, vous le savez, hein. Ah bah le, mec qui vous joue, euh, le mec qui joue euh, Mono Bleu Meul, euh, lui, coûte dans la bouche. Bon, euh, même chez les flics, on ne dira rien. Il a le droit de, de lancer des petits, des postillons comme ça. Il joue Mono Bleu Meul, c'est normal. Je ah non, moi, régulièrement, pense moi. que c'est ceux qui jouent Mono Bleu Meul. Tu as le droit de briser le pacte. Mais pareil. Ah oui, ça, ça va dans les deux sens. Et en fait, la son rite, entité, la rite tolérée. Voilà. Les deux vont au commissariat. Euh, les policiers te disent. Il a fait quoi Il a joué Meul. Ah oh, bon, ok. Bon. Normal d'un côté. Vous pouvez comprendre qu'ils sont un peu énervés. Normal euh... de l'autre. Normal. Ça se tape. Allez, ouais, c'est parti. C'est pas mal, ça. Bah oui. On a jamais nos tours. On a eu tout le temps nos tours, mais pas Talia. Là, on a Talia, mais pas nos tours. On peut pas tout avoir. C'est l'un ou l'autre. On peut pas tout demander, en fait. C'est petit bonheur, la chance. C'est l'autre ou l'un. Oh, L'outsider. Tu C'est sais, comme ça bloque bien un outsider Talia. Regarde. Hop. Vé comment ça bloque. C'est bloqué. Alors est-ce que je vois pas une petite Liliana Eh non. Eh non. Poubellus, la Lilianus. Sonne. Ok. Oh, tu sais ce que j'ai fait à mon tournoi d'essai, euh, le vendredi dernier T'as lié une Liliana Non, j'ai euh, Spell Pierce, un Grist. Ah, c'est marrant. Ouais, bah ça marche pas. Ah oui, bah oui, non, ça ne marche pas si gardé une créature dans le sac. J'ai gardé une main de merde pour faire ça et il m'a dit ça marche pas. J'ai ah, oui. bah, bien vu. Eh oui. C'est très bien vu, c'est très vrai. très bien vu. Bien joué, bien joué. garant de la paix pour voir sa main. Si jamais il y a une Liliana, c'est le meilleur, euh, meilleur truc. T'as peur de Liliana là Ouais. Ok. Bah tu fais bien. Ouh. en prise de toute façon de pouvoir faire okay, ça ouais. ça me va en prise arrache ah, j'ai compris arrachide prise coup. infernale on l'a pas c'est fou que ça te propose pas d'abord oui, les cartes que je la main. vois. non ah, mais moi j'ai euh... envie de chier quand ça te propose pas les cartes dans le deck et que du coup tu ne sais pas euh, que c'est pas me Too massacre mais the me Too massacre et que du coup tu time out mm. moi j'ai envie de casser le jeu quoi ah oui mais il faut casser Putain. il faut briser le jeu on a le droit de briser le contrat social avec les machines il y en a pas bah le contrat c'est est-ce que tu veux que ça continue de marcher quoi Putain oui, c'est ça... un contrat avec toi même Il faut être d'accord Tu n'as pas besoin de répondre de tes actes Oh Fais un token Fais un token on te graille Oh je mange hein Bah oui J'ai faim moi J'ai faim Val Hop Qu'est-ce 4 tu Blue juste là Oup. Excellent Maintenant, c'est qu'on bloque plus l'outsider, c'est un peu chiant. Oh bah, si, avec il le fait. Euh, je fais ça, je le graille. Ah oui, mais comment tu fais pour le. Je l'exil Moi, je veux qu'il ait au cimetière pour le gérer. Ah non, mais pardon, je parlais de l'intrus cimetière, excuse-moi. Ah enfin, oui, de l'intrus cimetière. Le... Bah, bah, va le... tu vas le bloquer là. Tu vas le garder, ton catar, non Bah, je vais jouer un truc au tour prochain ou pas Je vas jouer des trucs, ouais tu penses qu'il faut le sacrifier du coup Si je vais jouer ça oui. Sinon non. Ah tu vas jouer ça. Parce ouais, que je non, pas... voulais faire ça et ça, ton prochain. Non, et mais le ouais, tour ouais, d'après ouais. faire ça, kicker deux donc, fois. Tu seras jamais tu seras jamais dans un spot où tu peux le laisser flipper et lui normalement il aura toujours des trucs à jouer aussi. Ouais c'est euh... ça quoi. Oh bah parfait je pêche mon land. Donc, je peux jouer ma sentinelle. Ouais. Ma sentinelle à moi. Talia, et il faut espérer du coup que l'adversaire intrépide bien gros ça puisse suffire quoi. Ah bah de toute façon ça, euh, double buff, on est bien. Ouais normalement on est pas trop mal. Bah, il peut le tuer hein, évidemment. Il a déjà fait euh, double anti-bet, euh, tout, planeswalker. Oh. Ouais bah dis bah buff tout hein. Voilà, je vais curver ça. Curver ça fort. Bon ouais, il a rien. Allez, il le non, mais oh, les bronzes du côté là. Non, il est deux, en fait. bronzes du côté. Mais lui a un coup dans le flanc. Ah ça j'avoue qu'elle attaque aussi, j'avais oublié. Oh, c'est une bonne carte hein. ah, C'est un très bon drop 2. De ah, ça c'est de la bonne rare. Excellent. Et pour, 3, temps, pour, deux pour deux, si il peut peut jouer de l'aspirante, elle est pas sa peut place. peut se protéger. Ouais, c'est enfin, ça je crois, c'est protection. Hein. Ouais, quand à la congrégation, elle peut, euh, entre guillemets, acquérir la défense ah, de la contre, contre une contre couleur. Et elle ne peut pas être bloquée par la créature. Ouais, c'est protection, ouais, mais ouais. on le dit euh, différemment. On le dit vite quoi. Protection. protection. <coughs> Ça pioche du land. Un hein. truc du cimetière. Ça pioche bien du land. Bon, tu vas attaquer, je crois. Tu peux pas attaquer avec tout, sinon il a un... Il bloque, il est à 1, on gagne 5, mais on a plus le buff, et du ouais, coup bon, sur le board, chiant, on est pas est ouf. C'est chiant, c'est chiant. chien. Bon, je vais attaquer avec ça. Hein. Ouais. C'est que d'un adversaire Ah, merde, j'aurais pu m'exiler mes créatures pour pas qu'ils un un envie. Je crois que c'était que de l'adversaire. Ah, et du coup, on avait l'étale en attaque. J'ai très peu joué cette sentinelle. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que ça va quand même le faire. Bah, bon, on avait pas l'étal puisqu'il est bloqué. En tous les cas, mais. Bah, ouais, mais t'attaques avec tout il était à neuf. Ah, du coup, on avait l'état. Ah, eh oui. Eh oui, bon, c'est moi bah... aussi. Oh, mais tout, hein. il a pris trucs Massacre. Euh... Propose-lui ton board, quoi. Oh, ouais, ouais. Qu'est-ce qui peut être chiant là à piocher tout Massacre Hum. Comment s'appelle le spell à 5 là Invote Je suis même pas sûr que ce soit chiant, Invote d'espère. Bah, mais il peut... le c'est plus chiant. Ah, ouais, Sholred. Sholred, je pense. Ah, ouais, ouais. mais en fait, il avait le mana pour tout caster. Moi, je voulais le, que Mito coûte, 7, euh, que que un coûte, coûte 7, 7, comme ça il peut pas recaster ce qu'il a pioché. Ouais. Bon, ah, bon je pense que les deux étaient, étaient OK. Euh, détruire le match, tu peux les enlever. Si on estime qu'il y, ouais. euh, y a que Sheldred qu'on attrape. J'enlèverai ça, je mettrais ça, parce qu'il a plein d'anti-bêtes. Ouais, ça le fait chier. Euh, annonce aussi, hein. enfin, c'est mono, euh, ouais. mono anti bet son ça jeu. Ça, par contre, euh, ouais. ça, tu fou. peux enlever. Ça, c'est trop bien. Euh, le split. Ah Langon c'est Grandi. Ouais, je pense que je resterai à 2-2 moi sur le split. Ouais, j'en ai mis un, non Ouais, t'en as ouais. Sentinelle, on en veut pas plus Est-ce que Thalia, ça marche bien contre lui Ah ouais, Sentinelle, on en veut plus. Thalia, c'est bien. Hein. Peut-être Vigile qu'on veut pas, ou alors les dropins, hein. Peut-être que championne c'est juste nul, hein. Vire-moi les championnes au pire. Hein. Je peux vire deux championnes. ouais. Et je remettrai peut-être de détruire le mal parce que vraiment, je pense qu'on passe pas Sholdrain. Et j'enlèverais les deux Champions. Genre okay. contre Midrange, les dropins, c'est nul, quoi. Ouais en plus il commence là celle-là. Euh, Adept ça ouais. se recycle un peu. Voilà. Il peut casser les trucs peut-être Non Euh... Attends son deck Ah si brisebank après side, peut-être. Ouais Brisbane. Ah mais est-ce qu'il va les rentrer contre nous Si c'est une 4-4. Pas nécessairement, dope. mais il peut en avoir même deck qu'il a pas sorti. Bon en tous les cas on aura un drop 1 potentiellement. C'est bien. Ok, je vais scry 1. Oh que non, j'ai une curve là. J'ai le relayer info. Ouais tu peux remettre euh... Remettre à plus tard l'information. Croche nous sens efficaces là. Tu vois, ouais là, je pense qu'on est, on est bien, on est bien. On sait faire. Oh putain, pourquoi je vous salue? Le conscrit de culte. Il y a con et cul dans son nom. Il en faut pour tous les goûts. Hein. Je ne fais qu'observer. Euh, hein. Je suis un observateur ouais. là, parmi vous. Double dormeur? Non, quand même. Je serais bien un petit intrépide là que j'en ai deux. Oui. Ça, ça va rien faire là normalement. Ouais, mais, mais un petit intrépide. Je suis étonné par euh, le fait qu'ils joue Construits des cultes et Dormeur évolué dans un format qui est très mid-range. Je prendrais plutôt le, le parti d'être le plus lourd possible mais... Après c'est peut-être le format qui veut ça parce qu'on fait quand même du BO3 de BO1. Donc euh... On fait du BO3 de BO1. Non c'est du BO3. Ah bon, ouais on fait du BO3, ouais, ok. okay. <rire> <rire> euh, je vais prendre faiblesse faiblesse le trade là, c'est chiant ça. Cette faiblesse mentale que j'ai, je me suis pas assez reposé je crois à la campagne. Euh, ouais tu vas prendre le trade. Ouais. Ah, c'est plus l'occasion de tuer ça qui est cool. Non non mais t'as raison. Du coup l'occasion fait le larron. En plus. Ouais c'est vrai que pour une Liliana c'est chiant de perdre du board mais... Si je bloquais ouais. pas qu'ils faisaient Liliana sacrifice... du mariage ça, ça rend assez médiocre Liliana dans tous les ouais. ouais. mais genre si je bloquais pas qu'ils faisaient Liliana sacrifice c'est ça qui était... Euh... Ouais. Pour oui en fait donc c'était bien le trade. Le Tuléhidou. 2. Il est très beau ce dessin. Oui Ouais c'est une caverne aux gemmes. Ouais je connais. Tu savais que la caverne aux gemmes euh, était issue d'un concours euh, à la base euh, pour euh, créer des cartes, je sais plus l'histoire exacte mais ça vient de là. Ok, c'est rigolo. Donc c'est un entre guillemets pas quelqu'un de la R&D qui a créé cette carte. C'est bien Adeline avec l'annonce. C'est bien. Ça bloque bien son intrus. Ok, euh, bah si, en fait c'est la R&D mais euh, pas euh, totalement genre il y avait des cartes qui avaient été euh, submit par des gens. Euh, D'accord, ils ont pris des euh, idées de, de, de la communauté pour et en, en designer une carte. Et, ouais, et ça a été la caverne aux gemme qui a été euh, un peu modifiée, je crois, pour euh, donner ça. Et il me semble que ça venait d'un joueur euh, chinois ou japonais. Japonais, je crois. Ok. Il était sino-japonais. Oui. Tu. Donc ça, non tu... <laughs> Du coup, tu peux pas attaquer directement avec ta Adeline. Et ça, il leur renvoie, c'est quoi les conditions et le deux il le pour 2 s'il attaque avec un non-squelette. Ça lui coûte 2 malins, quoi. Chier, quand même, non Bon, il nous sert à quoi, ce 1 hein À devenir 2-2 plus tard. Surtout avec adversaire. Non, je pense que tu profites de ton board, hein. Ok. Demande-lui d'aller mettre des gestions sur ton board, je pense, plutôt que de trader un truc qui va revenir. Ah. On va devoir aller le piquer, quoi. Je mets le stop et que c'est trop tard, ça me dégoûte. Ouais. Pas de stop, hein. Non, pas de stop. On va catar on va, on va ce truc. Euh... Elle est jolie en version direction comme ça, J'avais pas vu. Ouais. Joli. Ah t'es obligé de Qatar. Bah je peux détruire le mal. Ouais mais fin, du coup t'es pas du tout mana efficient. Bah je fais détruire le mal adversaire mais je perds le kit Non ça me fait chier de perdre le kit d'adversaire parce okay. que c'est ton... Essaye Qatar, si jamais il te le tue, tu tu vois hein, au bout d'un moment il dépense son tour et son énergie à faire ça. Ouais. Je pense que ça peut peut-être le faire. A l'air d'avoir une sortie bien créature aussi donc euh... Et ça prend pas quoi. Pas d'attaque. Ça prend pas quoi Si ça prend tout hein Qatar, ça ah, prend là, même ça prend bien tout. Hein. Ça prend pas une vogue d'espère. Non. Ouais. C'est déjà ça. déjà ça. Vogue d'Espère qui va être ban d'ailleurs. Je crois pas. On a trouvé que les contresorts ça battait bien une vogue d'espère, du coup, euh, ouais. bon, il y a une espèce d'équilibre dans la La contrainte de cours en mana était suffisamment élevée. Ouais ouais. Je le sens pas bien, Samu. Non non. Ah ouais, ça, ça tu vois que ça, euh, euh, ça pas bon C'est losing play ça. Là je bloquerai bien un petit peu quand même. Ouais, il va falloir bloquer un peu, ouais. Bon vas-y. Là tu vois, il peut pas le rejouer donc ça me va. Ah ouais toi, tu donnes tout toi. Bah pff, quand même ça fait beaucoup là, on est à 10 quoi. Mec qu'on passe à 4 après, à il fait plein de pli le type. Bah si on avait euh, un cinquième mana dans notre main, je dirais ok mais... Mais c'est pas le cax. Ok, ok, ok. En fait, là, c'est le tour où on doit économiser un peu de PEV, puisque ensuite, on va avoir une 2-2, là, plus euh, ce qu'on fait. Ouais. J'avais mis un stop au Koei. Regardez. Ah Je ferais Aiganjo, jouer ou Adeline passe. Ouais. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien, bien, bien. Ouais, c'est bien. Par contre, je suis sur Et j'attaque de... au Qatar hein, pour créer un 1 avec Adeline. Exact. Je pense, hein. Oh, ouais, ouais. La bloque bien. Bioque bien. Adeline, elle bloque bien, ouais. Elle bloque wow, très, très est bien. Solide. Ouais, se est, est, est solide. V, v le board. Et là, du coup, si jamais il te pique, il te tue ton Qatar, t'as gagné un peu de temps et en plus t'as détruit le mal, quoi. Bam, qu'est-ce que ça casse, ça Les couilles. Pas ça. Hein. Pas celle de l'agneau. Ça le casse à moitié. Non. Ah si Pourquoi à moitié Parce si, il l'active. peux le casser Ah oui. Oh, je vais casser ça. il à ton bas. Le, euh, faire. le winning play 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eh, hey, on est pas loin. Je crois que, que tu le casses pas bank. Genre, s'il si passe son temps à pêcher les cartes, on, on s'en fout. Pas de sens de toi qui l'anime pas, je peux pas le casser. Ça, ça casse pas un artefact Ah, c'est enchantement, d'accord, ok. Après, je suis dit, ça casse l'anime. Ah, oui. oui. ah d'accord, ok. Bon, Par contre, ça. Ah, ça, c'est bien, ça. Oh, ça, t'es avec tout, là. Il a une réponse. Ah, mais non, mais c'est le pilotage, Je buff, hein. Oui. Parce qu'il y a un moment où je buff pas, je le bait et je fais ça, mais non, c'est pas bien. Ah, attends, si j'attaque et si qu'il qu fait ça, il tue, il récupère chez c'est hyper chiant. Donc je crois que je refuse, en fait. Ouais, il faut que tu refuses pour garder et détruire le mal, bien sûr. Et je vais attaquer. Ah, j'aime bien qu'on est malin. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, disons qu'on essaye d'être plus malin que lui, quoi. Ouais ouais. Et pas ça, du coup. Non, pas ça. Et si jamais il vient à tuer ton Qatar, toi t'as ton détruire le mal. Non, je pense que c'est assez secure de la jouer comme ça. ça. Et on n'est pas obligé de finir rapidement la game parce qu'il y a pas l'épée euh, de Damoclès de Midtuk Massacre qui est représentée, donc, euh, donc ça va. Ouais. Et du coup, il aurait pas fallu faire ça, il aurait fallu Qatar. Oui, <laughs> oui. Qatar là-dessus déposez un. Ah, un le mal. Ouais, effectivement, cet adversaire du coup, là, il est médiocre. Médiocre. Mmh. Après, une... reste une bête d'agression. Oui, ça reste une grosse bête. En fait, s'il n'y avait pas le stop à cause de ça, ça nous permettait de prendre l'info, ce qui était pas mal. Mmh. Quoique, avec le passage en phase d'attaque, on avait déjà l'info normalement. J'ai vu une grosse bête. Tu vois, s'il dépense du mana pour pêcher les cartes, j'en ai rien à foutre. Ah, bah, c'est qu'il cherche un truc. Hein. Ça creuse. hein. Comme la, la montagne. La montagne, ça creuse Ça creuse, ouais. Ou alors ça pousse. Mec, je le détruis en réponse. Vas-y, hein. Pas de problème. Et euh... Bah, j'ai envie juste tôt. lui détruire on ouais. enfin, va lui détruire, ouais. Qu'est-ce qu'il aurait d'autre à jouer Je vois pas. Tu devrais peut-être remettre le stop dans le cas où, je sais pas, s'il est capable de dodger la mort de, 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 de Sheldred. Je vois pas comment, mais... Ouais, bon, ça va, ok. Imagine, je sais pas, il arrive à la sauver avec un undying ou quoi. Ah, fin de tour, je concède Yes. Imagine un undying que t'as pas vu en standard, un malaquis rebirth là. Ça le oh semble, putain, on est, on est cuit. Ah, on est cuit, hein. On aurait pu être cuit, hein. Niveau diamant 2. Elle a bien joué, excellent. Bah franchement, plutôt bien, j'ai trouvé mmh. assez fort, moi, ce mono-blanc. Capable de s'adapter un petit peu à la midrangité du format. Après lui, il nous a aidé je jouait des drop 1 euh, assez médiocres pour le coup. Ouais. Mais dans l'idée, on était quand même prêt à une shoulder aid, à des drop 3 qui tiennent le board. Euh, oh, on fait des trucs, hein. Le fait qu'il y ait plus Mito que Massacre, je pense que c'est un vrai tiers-deux, quoi. Ouais, ouais. Puis en BO1, ça régale. Ceux qui aiment bien mono blanc, euh, faites-vous. Je, je pense que si vous jouez ça en plus contre les mono bleus qui doivent pas mal traîner, ah, vous, allez ah, leur, vous, attrapez bien, quoi. vous allez leur faire du, du mal, c'est clair. Bah, quand vous faites un tour 1, déjà, il est pas content. Et après, euh, garant de paix consacré, Talia. C'est une trinité. Hein. Mono bleu, ça, ça s'intègre très bien dans le format actuellement parce que c'est pour battre la midrangisation du format. Plus mmh. les decks se midrangent, plus mono bleu est puissant. Se midrangisent, pardon. Donc forcément, un deck aggro avec des Thalia, ça vient bien prédater euh, le deck ouais. mono bleu. Donc voilà, mono bleu va battre les midranges. Midranges vont battre les decks mono blanc, et mono blanc, si vraiment mono bleu devient très présent, réintroduit, euh, fait une poussée dans le format, et ça c'est plutôt intéressant. Yep. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne, si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.